Bonjour tout le monde, nous voici de retour dans l'ère mésopotamien du Crétacé antécédérien. Où je ne trouve personne. Putain. Dans ce village. C'est quoi cette merde? Oh là là, mais je trouve pas. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Personne n'a le temps dans ce truc. Ah, on aurait dit une femme. D'accord. Je sais pas s'il y a quelqu'un avec qui je peux me marier dans cette ville. C'est un truc de ouf. Bon bah, y a plus qu'à aller à la taverne chercher les cagoles. Et où est la taverne? Je crois qu'elle est là, la taverne. Non, ça c'est l'église. On va se marier avec quelqu'un à l'église. Oh, le curé. Mais il a plus la grippe. On lui a sauvé la vie, hein. Il était malade, il est plus malade. N'empêche pas que... Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Je crois que c'est 4000 pour forcer quelqu'un à se marier. On va s'emmerder, on va faire ça. Hein. Et puis là, il travaille bien. Ouais. Oui. Pas ce qu'ils font, ben on va les laisser faire. Hein. Je vais faire de la soupe, du coup. Alors, bail privilège. Voici ma candidature à une charge. Merci de la transmettre. Je crois qu'il va falloir. Le conseil municipal se réunira bientôt pour discuter du siège vacant. Il va falloir que j'achète des gardes du corps. Si je veux pas me faire tabasser encore en pleine nuit dans la ville. Béni soient ceux qui acceptent. Et il me vaut mieux des soldats. Je peux embaucher que des apprentis, mais ça me casse les couilles. Améliorer ce bâtiment. Pff, si on va l'améliorer à fond, hein.
coûter bonbon, mais... je fais ça d'abord. On est bien. Bah voilà, bah j'ai tout fait en fait. Mais maintenant... Il y a un petit problème qui se pose, c'est que je ne peux pas éventuellement... Au travail ! Je peux pas de faire... ça a l'air con, mais... Un accord vient d'être convenu, entraînant l'application de nouveaux droits sous cette charte. Ils sont tous partis faire des moules, mais ils sont partis se coucher. C'est quoi ce bordel? Ah, 10, pas mal. La cour revient sur sa décision. Oh là 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 là. Le jeu prend une toute autre forme. Ça devient intéressant. Déjà des sous. Ah, d'entrée. On peut les faire dormir. Intéressant. La cour revient sur sa décision. J'ai escorté mon mec, hein, parce que bon, c'est beau tout ça, mais... La demande d'un comptoir est terminée. Oui, oui, on sait, on sait. Des marchandises sont disponibles à bon prix dans un comptoir. En avant ! Ça, c'est du foutage de gueule, là. Vous devez vous présenter au tribunal. Allez ! Ah putain, mais par contre, il court, il est lent. Ah bah oui, mais s'il fait 10 fois le tour de la ville, hein, le pauvre. Oh là là. C'est pas une flèche, hein. Et ben voilà. Ah ah, la séance. Ah merde, je suis juge là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pas un bruit, le procès commence. Certes. Oui.
cour revient sur sa décision. Quoi ? C'est un crime effroyable ! En conclusion, si la cour me le permet, j'ai entre les mains deux autres preuves prouvant l'influence du prévenu dans le milieu criminel. Oh, oui, certes, punissons-le. Il a pillé un bâtiment. Quelle devrait être la sentence? La peine de mort, la peine de mort. Ils ont pillé un bâtiment. Eh ben, peine de mort. Ouais, soyons bâtards. Il a juste volé un bâtiment. Coupable ou pas? Telle est la question. Moi, je dis coupable jusqu'à preuve du contraire. Nous avons entendu la défense. Passons au vote. Faut voter? J'ai pas compris comment voter la dernière fois. Non coupable. Quelqu'un vient de vous parler. Non coupable. Bah non coupable, hein, allez, hein. C'est mon jour de bonté. Ah, j'ai fait payer 500 balles à mes adversaires. En fait, j'ai juste suivi le mouvement, ils ont tous dit non coupable. J'ai fait pareil. Je devrais te faire tuer. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. T'as rien à faire, toi. C'est bien que ça. Je retourne travailler. D'accord. Au travail. Oh là là. Allez, le boulot n'attend pas. Ah merde, il faut peut-être que je lui trouve une donzelle à mon bonhomme. Il serait peut-être temps, hein. Ah, ça serait mieux, hein. Oui, mais vu qu'il met 10 piges... Mec un peu mou quoi, c'est pas possible. L'offre spéciale d'un comptoir est terminée. Pourquoi prenons-nous la peine de nous réunir si la décision est déjà prise? Bien. Je crois avoir le même avis. Frida ? Oh, c'est la mère. Pas mal. Je vais essayer de me taper le maire. Mesdames et messieurs, notables de notre ville, je déclare la séance du jour ouverte. La suite de l'ordre du jour concerne le débat sur la charge suivante. La fonction de bailli. Allons-y. J'ai hâte d'entendre les arguments contre moi. Les candidats suivants se présentent. Madame Ad. Les personnes suivantes peuvent voter. Voyez que toi. Frida Timson. Hein? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Moi, qui possède les compétences requises pour ce siège. Prouve le contraire, prouve le contraire. Calme. Passons simplement au vote.
Vote pour moi, vote pour moi, vote pour moi. Je vous remercie de votre confiance. Oh la pute! Honorable, mon grain n'est pas pourri. Ainsi se termine la séance du jour. Je vous remercie de votre attention. Au travail! Mon grain n'est pas pourri. La taxe sur les ventes vient d'être modifiée. Ah la pute! Bon. Ah bon, c'est déjà la fin de cet épisode et moi je vous laisse et je vous dis à plus pour une nouvelle aventure sur The Guild 2 où cette fois j'irai fricoter de la donzelle à foison, enfin trouver plutôt ce que je peux hein, parce que là c'est un peu casse-gueule cette ville, hein, on sait pas trop sur quoi tomber. Et moi je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine.